Thank you.
vous dire pourquoi. Je viens de fêter mes 8 ans de mariage et j'ai passé la 7e année. C'est une grande émotion, non seulement pour ça, mais d'être ici, dans ma ville d'origine, et de voir pas mal d'amis, et de pouvoir rejouer pour la 6e fois sur cette super scène, et cette fois-ci d'avoir un groupe aussi grand. C'est beaucoup de musiciens avec qui j'ai joué pendant les derniers 10-12 ans, et qui sont talentueux, ils ont tous leur propre groupe, leur propre grande carrière, donc c'est un honneur de les avoir avec moi, jouer cette musique. Juste pour la petite histoire, juste avant Noël, j'ai contacté Angie, et puis pour revenir, Jean-Claude, pour venir jouer le nouveau disque, et je me disais on va jouer en quintette ou en sextette maximum, et puis j'ai laissé plusieurs messages, et puis ensuite, au printemps, il me téléphone et il me dit « Oh, j'aime bien le disque ». Très bien, alors j'ai un quintette ou un sextette à vous proposer, il m'a dit « Non, j'aimerais tout l'ensemble ». Alors voilà, c'est le premier concert qu'on joue en fait à 8 du disque. Merci Jean-Claude. Ensuite, avant de continuer la prochaine pièce qui sera bien calme, on joue un disque qui s'appelle From Istanbul to Ceuta with a Smile. D'Istanbul à Ceuta, qui est une ville en Espagne, dans le nord de l'Afrique. Et c'est des endroits évidemment où j'ai passé, et c'est en fait, j'aime bien évidemment jouer la musique de voyage. Donc on traverse à travers l'Europe avec cette musique. Et avant de continuer, je vais juste vous présenter ces nombreux musiciens. Tout d'abord, ça fait plus de 12 ans que je joue avec lui. Il jouait des rythmes incroyables, il joue encore des rythmes incroyables. Je comprends toujours pas ce qu'il joue, mais j'espère jouer encore 20 ans de plus. C'est d'Israël Azaf Circus. On joue depuis 3 ans ensemble, j'ai eu des projets en trio, en quartet, et la percussion est devenue beaucoup plus importante, c'est génial de l'avoir. Il vient d'Espagne, de Barcelone, il vit à Londres. Demi Garcia. C'est un plaisir d'avoir un Écossais dans l'équipe, vu qu'ils ont gagné Wimbledon. Pas les Anglais, c'est l'Écossais. Et c'est un bassiste avec qui je joue depuis maintenant 3 ans. C'est Kevin Glasgow. J'ai eu le plaisir de lui... Je lui ai demandé de venir jouer quelques solos sur le nouveau disque au piano. Et c'est un homme qui a une bonne réputation en Angleterre, vu qu'il est directeur artistique du club Ronnie Scott à Londres. Il joue incroyable dans le classique, dans le jazz. C'est James Pearson en piano. J'ai un autre projet qui s'appelle Eclectica. On est deux guitares acoustiques, violon et violoncelle. On mélange du classique et du jazz et de la musique latine, et le violoncelliste est dans ce groupe-là. C'est un maître de la musique de chambre. Il a 50 ans de carrière, il a fait à peu près 8 ans de disques. Il vient de me dire qu'il en a fait en fait 90. Il a enregistré 2 fois tout le Beethoven. C'est le maître Bernard Gregor Smith. Un plaisir dans le groupe régulier. J'ai mon amie qui joue aussi en Eclectica, Lizzie Ball, qui devait être là aujourd'hui, mais elle n'a pas pu venir parce qu'elle a eu beaucoup de concerts. Et donc j'ai un remplaçant excellent. Il vient du Pays de Galles, c'est Richard Jones au violon. Ça fait bien 6 ans, 6 ou 7 ans que je joue avec lui. On a enregistré 3-4 disques ensemble.
On s'amuse toujours bien en scène. C'est l'incroyable Igilan Atzmon. Voilà, on va continuer la prochaine pièce du disque. Ça, c'était la première. Il y en a 10 qui viennent. Donc, j'espère que vous avez le temps. En anglais, ils rigolent plus, hein. Enfin, la deuxième pièce, il n'y en a que 3. La deuxième pièce, c'est une pièce lente, Memories of Peter and the Gate. C'est une pièce que j'ai écrite pour mon cousin qui est décédé la pièce. Thank you.
Thank you.